samedi. Nous mettrons à la disposition des collectivités locales, et nous y travaillons notamment en interministériel, en liaison avec l'AMF, un dispositif global d'accompagnement des collectivités locales qui veulent s'engager, qui conduira l'État à prendre en charge les financements qui lui incombent et les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'asile sur les territoires dans le cadre d'un partenariat étroit avec les collectivités locales qui veulent bien s'engager. Nous avons soulevé la question, c'est vrai, de la volonté d'accueillir les réfugiés, les naufragés, ce qui est l'honneur de notre pays, pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais uniquement et exclusivement dans cette urgence, les réfugiés et les naufragés. Il y a, et c'est le deuxième élément, l'expression d'un volontariat d'un certain nombre de communes qui se disent disponibles et dont nous avons évidemment enregistré, vous-même comme nous-mêmes, cette disponibilité. C'est une très bonne chose, ça va dans la bonne direction, il faut le saluer.